Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi je vais très très bien. Donc nous allons commencer comme d'habitude. Je vais vous dire bonjour et puis après on va démarrer ensemble. Alors regardons qui est là, c'est toujours intéressant de savoir qui est là. Alors il y a Béatrice Christiana, bonjour, Luciana, Moribé est là aussi, Lisbeth est avec nous, Deschem, Dolma est avec nous, Omar est là, Bickert est là, Victoria Possé est là aussi. Faites très attention Victoria, là ça devient encore plus sérieux que... il y a déjà quelques mois. Dessarlika est là. Berila 71 aussi. Cosmina Bellou est là aussi. Yossi est avec nous. Victoria Jacques, bonjour. Sundar est là. Olga Ruiz est avec nous. Eka est avec nous. Mon Dieu, qui est-ce qu'il y a encore? Mohamed Reza est là. Adriana RS, Save the Best est avec nous. I Have Hope est là. Ravish est là aussi. Sarah Jane, Adriana, Zane, Deschen, Ice Cubes aussi, Sapna et Mustapha. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. J'espère vraiment que vous allez bien. C'est samedi. Youpi youpi. Je ne sais pas si vous passez un bon samedi, mais en tout cas, moi, ça va pas trop mal. Alors, comme vous le savez peut-être, avant de démarrer le cours, juste pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde, mon petit conseil serait d'ouvrir, je ne sais pas ce que vous utilisez, si c'est un téléphone, une tablette, un ordinateur, que sais-je, ouvrez un onglet supplémentaire et mettez un dictionnaire. Je vous avais posé la question... quel dictionnaire vous utilisiez. Pour l'instant, on a réussi à référencer ces dictionnaires-là. Donc, il y a Word Reference, il y a DeepL, il y a Collins Dictionary, il y a Larousse et certaines personnes aiment bien Google Translate. Donc, n'hésitez pas à ouvrir ça et c'est juste pour que ce soit beaucoup plus facile. C'est-à-dire que au lieu de me poser la question dans le chat, parce que parfois, je ne vois pas ce que vous écrivez, parfois ça va trop vite et je ne suis pas une machine. Donc, si vous avez des doutes, si vous rencontrez de nouveaux mots, n'hésitez pas à utiliser le dictionnaire, d'accord? Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez en général peut-être garder une référence de tous les nouveaux mots que vous allez découvrir pendant ce live. Voilà, bah, écoutez, on va démarrer maintenant si vous voulez bien. Et comme d'habitude, c'est la question du jour. La question du jour n'est absolument pas philosophique. C'est une question très simple et très basique. Est-ce que vous aimez le mois de novembre et pourquoi? On a parfois certaines relations à certains mois. Le mois de novembre peut être symbolique ou pas, je ne sais pas. Est-ce que vous aimez le mois de novembre et pourquoi? Une phrase pour, eh bien, m'expliquer votre relation au mois de novembre.
Alors, c'est Victoria Jacques qui démarre en nous disant hein, « pas vraiment, il commence à faire froid en novembre ». Ben, c'est vrai que là, en général novembre, hein, ça dépend où on habite, mais c'est le début un petit peu de l'hiver et des choses sérieuses. Romulo, bonjour, nous dit « oui, j'adore parce que la fin d'année approche ». C'est vrai. Gabriella nous dit « oui, parce que nous sommes près de Noël ». Oui. Eka nous dit « oui, bien sûr, j'aime beaucoup le mois de novembre car je suis né en novembre ». Souvenez-vous, Eka, quand on met un mois, et en général on va mettre une préposition, ça va être la préposition « en ». En novembre, en juin, en janvier. En. Mohamed Reza, non, j'aime le mois de mars où je suis né. D'accord. Annabelle Nouvelle, oui, alors pour vous, vous êtes de l'autre côté et vous nous dites « oui, je l'aime parce que c'est l'été ». Donc pour vous, c'est l'été et donc vous l'aimez. Dolma, j'aimerais faire une promenade dans le parc parce qu'il y a plus de couleurs vives de la nature. Très bien. Widad nous dit bonjour. Bonjour Widad, participez s'il vous plaît. Ice Cubes, je n'aime pas beaucoup parce que je n'aime pas le froid. Olga nous dit oui, c'est très proche de Noël. Romande nous dit Vincent, j'ai fait la ne vous inquiétez pas, Romande. Je vais régler les histoires d'email. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une machine, Romande. Omar nous dit « Je n'aime pas novembre parce que ce mois arrive, avec ce mois arrive le froid, c'est vrai. » Luciana, moi décédé, peut-être le mois où il y a le plus de souvenirs. Décédé, qu'est-ce que vous voulez dire décédé, Luciana? Je ne comprends pas. Victoria Possé, j'aime le mois de novembre parce que la chaleur est déjà partie et les journées sont très belles. Bickert, oui, j'aime novembre plus que les autres mois, c'est ça? Yossi, on ne sait plus. Hein? Comme, qu'est-ce que vous voulez dire? Comme tous les mois de l'année signifient que le temps vole vite. Ah mais c'est ça Yossi. Hein. Après un certain âge, on a l'impression que ça passe très très vite, quel que soit le mois ou la saison. Sundar, oui, j'aime le mois de novembre parce qu'on célèbre beaucoup de fêtes au Népal et qui a commencé mi-octobre et finira en novembre. Spiritual Weapons, oui, j'aime novembre parce qu'il y a la fête de Thanksgiving. Deschen, parce que j'ai eu des vacances pour la grande célébration ou la grande fête d'Halloween, d'accord. Cosmina Bellou, d'un point de vue, oui. Je l'aime parce que les travaux avec le jardin, le nettoyage de la maison et les conserves de légumes sont presque terminés. Eh ben oui. Donc, j'ai plus de temps pour lire et apprendre ce que je veux. Très bien. Oui, Dad, j'aime bien novembre parce qu'il fait frais en novembre. Remix Studio, je n'aime pas novembre pour le mauvais temps et les arbres nus, c'est-à-dire les arbres qui ont perdu leurs feuilles. C'est vrai que ça peut être un petit peu triste. Daria, bonsoir. I Just Called nous dit oui et non. Rien de spécial dans ce mois, sauf le Black Friday. Mais oui, mais est-ce que c'est possible? Ah oui, en ligne, parce que est-ce que c'est possible d'aller dans les magasins? C'est dangereux maintenant. Save the best. Non, je n'aime pas le mois de novembre parce que le mois de novembre, c'est la grippe. Atchoum, atchoum, c'est vrai. Nouha nous dit, oui, j'aime... Ah non, alors non, je n'aime pas le mois de novembre car il y a moins de soleil et il n'y a pas de chaleur. Maria Bethania nous dit « J'aime, mais en même temps je suis triste parce que s'approche la fin de l'année et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. » Eh oui. Joe Booth, bonjour, comment allez-vous? Alors, Dean nous dit « Oui, j'aime le temps du mois de novembre. » Très bien. Daria nous dit « J'aime
tous les mois. C'est comme ça avec Daria. Barty nous dit « Oui, bien sûr, j'aime le mois de novembre car il fait beau. Et en plus, il y a une très bonne fête de Diwali, la fête des Lumières en Inde. » Darktainer, bonsoir, participez. Dessarlika, le mois de novembre me rappelle l'hiver et la fin d'année féminin. Comment dire le mois avec le jour des... Ah, d'accord, Luciana. Oui, le jour des décédés, le jour des morts, on appelle ça la Toussaint. En un seul mot, Toussaint. La Toussaint, et c'est effectivement la fête des morts. On dit rarement la fête des morts, on dit la Toussaint. Sapna, oui, parce que en Inde, dans ce mois-ci, il ne fait pas très chaud et il n'est pas non plus très froid. C'est le mois de l'équilibre météorologique pour moi. Eh ben, c'est formidable. Samarkundu, bonjour. Daria qui dit likez la leçon, merci beaucoup. C'est vrai, cliquez sur like, vous êtes presque 100. Et il n'y a que 36 likes, ce n'est pas raisonnable. Mohamed Reza, comment se passe le confinement chez vous? Ben ça, comme tout le monde, à la maison, c'est le confinement. Youpi, youpi. Alors ensuite, Mustapha, oui, j'aime bien novembre parce que ma naissance est le mois de novembre. Berilla 71, oui, j'aime bien novembre parce que c'est la pleine lune, je l'aime. Je suis sûr que ça viendra aussi en novembre. Eh ben écoutez, très bien. Allez, j'aimerais que nous découvrions ensemble le mot du jour. Mais là, cette fois-ci, ça va être différent, puisque normalement, c'est moi qui vous donne le mot du jour. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, c'est vous qui allez me dire tout simplement quel mot pourrait résumer votre journée aujourd'hui. Alors, ça dépend où vous êtes. Si effectivement vous êtes plutôt dans un endroit du monde où c'est le matin, eh bien, ce n'est pas grave. Si c'est la journée ou la soirée ou même la nuit, ce n'est pas grave. Un mot qui, d'après vous, pourrait résumer cette journée qui commence ou qui finit. Juste un mot, pas de justification, un mot seulement. Allez-y, ça va être intéressant. Merci. Alors, Béatrice Christiana commence en nous disant « chargé ». Très bien. Cosmina de Bellou nous dit « fils ». Yosri nous dit « Covid ». Ok. Ah, oh, il faut en rire maintenant. On ne peut plus pleurer. On a trop pleuré pour le Covid. Maintenant, il faut rire. Berilla 71, virus. Romulo nous dit « restez chez moi ». D'accord. Confinement, hein, ça serait un mot. Omar, promenade. Roman, fatigue. Mohamed Reza, révision. Comme toujours. Widad, fatigante. Yossi, se reposer. On pourrait utiliser le substantif repos si vous voulez. Maria Bethania, confortable. Ensuite, Luciana Moribé qui nous dit résistance. Dolma qui nous dit paresseux. Nouha qui nous dit l'ambiance. Victoria Possé qui dit promenade. Annabelle Nouvelle qui nous dit choix. Oh oh! Bickert qui nous dit tranquillement et bonheur. Vous en mettez deux, vous êtes généreuse. Sundar nous dit paresseux. Remix Studio nous dit l'allemande. Feifei nous dit confinement. Olga Ruiz nous dit formidable. Oh là là. I Just Call nous dit ordinaire. Deschen nous dit corona. Alors, est-ce que nous avons fait le tour des personnes qui veulent participer ou pas? Je ne sais pas. 1, 2, 3. Allez, nous allons passer à la suite. Ah non, Daria qui nous... Ah, Daria, elle a du mal à résumer, hein, Daria. Daria, être crevé un peu. Il faut prendre des vitamines. Daria, c'est la période de l'année où si vous êtes en Europe, et je crois que vous êtes en Europe, il faut prendre des vitamines pour compenser
parce qu'il y a moins de lumière, on est plus fatigué, c'est un petit peu une sorte d'intersaison. Spiritual Weapons qui nous dit tranquille, Dean qui nous dit magnifique, waouh, Yosri qui nous dit amour, Barty qui nous dit espoir, et M. Chichi qui nous dit challenge. On pourrait dire défi si vous voulez. C'est vrai que c'est plus très à la mode le mot défi, mais c'était le mot qu'on utilisait avant challenge. Et Dessarlika, je reste chez moi, mais j'essaye de ne pas manquer vos leçons. Merci beaucoup. Allez, on continue. Alors aujourd'hui, notre cours eh bien, va tourner autour d'une personnalité, la personnalité du jour. Alors regardons ensemble, puisqu'aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelqu'un qui est assez important en France. C'est une actrice et aussi une musicienne, chanteuse qui s'appelle Charlotte Gainsbourg. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, nous allons comme d'habitude la découvrir en trois points. Première chose concernant Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg est née le 21 juillet 1971 à Londres, Royaume-Uni. C'est une actrice et une chanteuse franco-britannique. Charlotte Gainsbourg est née le 21 juillet 1971 à Londres, Royaume-Uni. C'est une actrice et chanteuse franco-britannique. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Alors, je vois que vous êtes très rapide et c'est bien. Donc, effectivement, nous avions quatre choses, pardon. Oui, parce que c'était des numéros, je m'étais dit que j'allais en mettre un en plus. Donc, la première chose, eh bien, c'était 21. 21, nous sommes d'accord qu'on écrit ça 2 et 1, 21. Après ça, c'était une année. L'année, c'est 1971. Donc, 1, 9, 7 et 1. Je regarde et globalement, vous écrivez bien, donc félicitations. Ensuite, alors c'est la profession et bien sûr au féminin, puisque Charlotte est une femme. Donc c'est chanteuse, C-H-A-N-T-E-U-S-E. Et puis, c'était britannique, britannique ici, souvenez-vous, pas de majuscule parce que c'est un adjectif, hein. Donc ici, britannique, B-R-I-T-A-N-I. Pourquoi j'ai mis deux N ici? Non. Regardez, ça n'est pas raisonnable. Un seul N, britannique. Alors voilà, donc britannique, B-R-I-T-A-N-I-Q-U-E. Et je devrais faire la correction après. Attention, deuxième chose concernant Charlotte. Elle commence sa carrière cinématographique très tôt, à l'âge de 13 ans, poussée par sa mère, Jane Birkin. Elle commence sa carrière cinématographique très tôt,
à l'âge de 13 ans, poussée par sa mère, Jane Birkin. Alors, regardons ensemble ce que vous m'avez écrit. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est très très bien. Donc, comme d'habitude, nous avions trois choses. La première chose, c'est un substantif, un mot, enfin un nom. Et donc, c'est féminin ici. Carrière, vous allez l'écrire C-A-R-R-I-E, accent grave, R-E. Donc, une carrière. Ensuite, tôt, on l'écrit T-O-T. Idéalement, vous mettez un accent circonflexe sur le O. Et puis, la dernière chose, c'était 13. Alors, soit vous l'écrivez 1 et 3, ou alors, si vous voulez l'écrire en toutes lettres, vous écrivez T-R-E-I-Z-E, 13. Yossi avait posé une question, et je voulais laisser planer le suspense, Yossi, puisque vous avez la réponse maintenant à votre question avec la troisième chose concernant Charlotte Gainsbourg. Elle chante pour la première fois sur l'album de son père, Serge Gainsbourg, Love on the Beat, en 1984, où elle chante avec lui. Elle chante pour la première fois sur l'album de son père, Serge Gainsbourg, Love on the Beat, en 1984, où elle chante avec lui. Alors, les trois choses que nous devions trouver, la première chose, eh bien, c'était un adjectif. L'adjectif doit être au féminin, puisque le mot « foi » est féminin. Une fois, la foi, donc la première fois. Ici, si vous le mettez au féminin, n'oubliez pas de mettre un magnifique accent grave sur votre deuxième « e »,« r ». Donc, première, P-R-E-M-I. E, accent grave, R-E. L'autre chose, c'est un substantif, c'est un nom et c'est album. Album, c'est masculin, donc un album. On l'écrit donc A-L-B-U-M. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est une année et c'est 1984. 1984. 1984. Allez, je vous invite, comme d'habitude, souvenez-vous, prononcez, lisez avec moi à voix haute. C'est la meilleure technique pour travailler, eh bien, votre prononciation. Comme ça, avec les limites que nous avons. Première chose, Charlotte Gainsbourg est née le 21 juillet 1971 à Londres, Royaume-Uni.
C'est une actrice et chanteuse franco-britannique. Deuxième chose. Elle commence sa carrière cinématographique très tôt, à l'âge de 13 ans, poussée par sa mère, Jane Birkin. Troisième chose, elle chante pour la première fois sur l'album de son père, Serge Gainsbourg, Love on the Beat, en 1984, où elle chante avec lui. Alors, vous le savez peut-être, hier, nous avons expérimenté, nous avons exploré justement un nouveau type d'exercice. Et donc, aujourd'hui, puisque nous avons découvert, ou si vous connaissez Charlotte Gainsbourg, vous ne l'avez pas découverte, mais en tout cas, l'idée, c'était de présenter Charlotte Gainsbourg pour maintenant travailler sur eh bien, sa prononciation, là, comment elle parle. Donc, nous allons écouter 5 phrases et bien sûr, nous allons essayer de comprendre, de décrypter et de trouver les mots. D'accord ? Alors, on y va. J'espère que vous êtes prêts. Ne vous stressez pas. Hier, c'était un petit peu olé olé, hein ? Allez, donc 3 phrases. On va commencer avec la première. Donc ce que je vous propose de prendre une petite seconde pour regarder, essayer de voir ce qui manque et eh bien je vais cliquer pour que nous puissions écouter. Je vais laisser tourner peut-être 4 ou 5 fois. En fonction de votre réactivité, si vous trouvez les mots qui manquent facilement, eh bien, je m'adapterai. J'espère que vous êtes prêts parce que nous allons commencer. On y va. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. Alors voilà ce qu'elle disait. J'ai eu, hein, donc nous étions à la recherche du « eu » énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai l'impression que là, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Donc le verbe, hein, c'était premièrement le participe passé « eu ». Deuxièmement, eh bien, c'était le verbe à l'infinitif « écrire ». Et puis la dernière chose, c'était le substantif « foi ». D'accord. Alors donc, j'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. Alors attendez, parce que Ice Cubes, est-ce que c'était le son de ch? Je ne sais pas, Ice Cubes. Je ne comprends pas la question. Développez. Allez, on va continuer, si vous voulez bien, avec la deuxième chose.
Même chose ici. Vous voyez que ce sont des phrases qui sont assez courtes. Hein, on essaiera de voir en fonction plus tard. regardez cette phrase et j'espère que vous êtes prêts parce que nous allons l'écouter maintenant. Ça m'aide à me cacher un petit peu. 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 Alors, regardons ensemble. Ici, donc, nous étions à la recherche de trois choses. C'était aide que, apparemment, vous avez bien entendu. Ça m'aide. Après ça, c'était le verbe cacher. Alors, se cacher, mais donc ici, c'est cacher que vous deviez trouver, qui est à l'infinitif. Ça m'aide à me cacher. Et après, c'était petit, un petit peu. Mohamed Reza qui dit pourquoi cacher. Il faut demander à Charlotte Gainsbourg pourquoi elle veut se cacher. Je ne sais pas, c'est ce qu'elle dit. Je ne peux pas répondre à sa place, Mohamed Reza. Voilà, donc ça m'aide à me cacher un petit peu. Si vous voulez, je vous invite à écouter encore une fois et puis regarder en même temps. Ça m'aide à me cacher un petit peu. Ça m'aide à me cacher un petit peu. Ça m'aide à me cacher un petit peu. Allez, on continue avec la troisième chose. Troisième chose, prenez une petite minute pour regarder. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, nous y allons. Voilà. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Alors, regardons ensemble. Ici, bien, nous avions trois choses à trouver. La première chose, c'était « moi », parce que pour « moi ». La deuxième chose, c'était « rien », pardon, non « vraiment », excusez-moi. « Vraiment », donc l'adverbe « vraiment », V-R-A-I-M-E-N-T. Attention, on l'écrit vraiment avec un « e », « moment ». Remix Studio, faites attention, vous avez écrit vraiment, mais c'était vraiment. Et puis, la dernière chose, c'était le verbe à l'infinitif, voir. Hein. Donc, non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Ce que je vous propose, c'est, encore une fois, de l'écouter et de regarder le texte en même temps. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique
n'ont vraiment rien à voir. Allez, numéro 4. Numéro 4, regardez, prenez une petite seconde pour regarder la phrase. Et on y va. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes, le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes, le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes, le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes, le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. Alors, je commence à regarder ce que vous avez écrit et voici les mots que nous devions trouver. La première chose, eh bien, c'était milieu, hein, donc c'est pas... Ou alors, attendez, non, le premier, c'était équipe, excusez-moi, c'était au pluriel. Les mêmes équipes, hein, donc on l'écrit bien au pluriel puisque vous voyez que c'est les mêmes. Donc, logiquement, le mot équipe est au pluriel. Ensuite, c'était le mot milieu, hein, qui est masculin, le même milieu, hein, donc M-I-L-I-E-U. Et puis après, c'était le verbe fonctionner. Alors, comme vous voyez, effectivement, souvent, en français parlé, eh bien, on utilise plus facilement « on » que « nous ». Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Donc ici, on fonctionne, c'est nous fonctionnons, hein, différemment. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Et là encore, vous remarquez que, comme on avait vu ça hier et avant, la première partie de la négation, eh bien, quand on parle, eh bien, cette première partie de la négation a tendance à disparaître. C'est pas les mêmes équipes. On ne va pas dire « ce n'est pas », mais on dit « c'est pas ». Même chose, « c'est pas le même milieu », on ne dira pas « ce n'est pas le même milieu », on retire le « ne ». Même chose pour « on fonctionne pas ». Hein? À la place de dire « nous ne fonctionnons pas », on va d'abord changer avec « on ». « On ne fonctionne pas » et le « ne », on le fait disparaître. « On fonctionne pas ». Allez, je vous propose encore une fois d'écouter et de comparer ou de lire en même temps. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes, le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes, le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes, le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. Allez, dernière chose, cinquième chose, si vous voulez bien. Regardez, prenez une petite seconde pour, eh bien, regarder ce que nous cherchons ici. Alors, j'espère que vous êtes prêts, on attaque. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible.
Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Alors, regardons ensemble les trois choses que nous devions trouver. Donc, la première chose, eh bien, c'était soit. Alors, c'est intéressant, vous voyez qu'effectivement, elle utilise ici un subjonctif, le fait que. Le fait que, donc plus un subjonctif, soit, c'est le verbe être, nous sommes d'accord. La deuxième chose, eh bien, c'était en contradiction, contradiction. Alors vous voyez ici, hein, on l'écrit contradiction. Une contradiction. Donc c'est un mot qui est féminin, pour votre information. Et la dernière chose, eh bien, c'était possible. Ça, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien écrit. Possible n'est pas difficile. On l'écrit possible. I-B-L-E. Regardons et écoutons encore une fois pour être sûr de bien comprendre et bien sentir son rythme et sa façon de parler. Et bien sûr, ça ne marche pas. Oui. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Comme je suis soucieux de vous proposer des exercices que vous aimez bien, puisque c'est la deuxième fois, j'ai juste envie de savoir si vous avez trois options. Vous pouvez me dire « je déteste »,« j'aime bien » ou « j'adore ». C'est-à-dire, est-ce que vous voulez continuer à faire ce type d'exercice ? Trois possibilités, je déteste cet exercice, j'aime bien cet exercice ou j'adore. Prenez une seconde pour m'écrire ça, s'il vous plaît, dans le chat. Merci beaucoup. Alors, n'oublions pas qu'effectivement, j'essaye au maximum de répondre à vos questions, mais parfois ça passe et je ne peux pas y répondre. Donc, vous avez la possibilité de m'envoyer vos questions. Ça peut être écrit, bien sûr, ça peut être audio ou ça peut être vidéo, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est de poser votre question. Ensuite, de m'envoyer votre question à l'adresse askvincent@fluent2plus.com et ensuite, je ferai soit une vidéo ou alors je vais insérer ces questions dans le live. Je ne sais pas encore, j'ai reçu déjà des questions, mais j'attends un petit peu avant de savoir ce que je vais
enfer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et je ferai le maximum pour y répondre. Voilà. Allez, histoire de mieux nous connaître, c'est quelque chose que je vous pose de temps en temps, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a les personnes qui sont là depuis un certain temps, mais s'il vous plaît, dites-moi de quel pays vous venez et combien de langues est-ce que vous parlez ou quelle langue est-ce que vous parlez, c'est juste pour avoir une petite idée de l'endroit d'où vous venez et quelle langue vous parlez. Allez-y. Alors, Tenzin est le premier, nous dit Tibet et tibétain. Spiritual Weapons nous dit « Je viens de Trinidad et Tobago et je parle anglais et espagnol. » Desarlika nous dit « Je viens d'Albanie et je parle anglais, allemand et français. » Daria qui est en train d'organiser avec Luciana les règles pour participer au concours. Ah mais c'est technique après, c'est compliqué. Yossi, il a pensé que c'est comme ça. Oui, mais on ne peut pas contrôler les gens qui like ou pas. Et les gens qui like, ce sont des personnes qui sont automatiquement connectées sur YouTube. Donc les personnes qui ne sont pas connectées sur YouTube peuvent regarder le live, mais ne peuvent pas liker. C'est technique, hein. Mohamed Reza qui nous dit « Je viens d'Iran, ma langue maternelle est persane, je parle anglais et kurde, français, un petit peu espagnol. » Annabelle Nouvelle, anglais, indonésie, un peu français. Lisbeth qui nous dit « Je viens du Mexique, je parle la langue espagnole, anglais et un peu de français. » Béatrice Christiana, « Je viens de Roumanie, je parle le roumain, l'anglais et le français. » Luciana, je suis brésilienne, je parle portugais, anglais, espagnol et un peu de japonais, français maintenant et un peu d'italien. » Sarah Jane, « Je suis des États-Unis et je parle seulement... » Ah, attendez, je vous ai perdu. Voilà, Sarah Jane, je parle seulement l'anglais et le français. Omar, je suis colombien, mais j'habite en Catalogne. Espagnol, catalan, anglais et un peu de français. Bombville Lover, je viens d'Angleterre et je parle anglais et un peu de français. Dolma, je viens du Tibet, mais en ce moment, j'habite à Bruxelles. Attention, Dolma, Bruxelles, il faut faire très attention. Le masque, le masque, le masque, protégez-vous. Je parle néerlandais et français. Merci, je viens du Kenya et je parle swahili et anglais. Nouha, je suis maghrébine d'origine marocaine. Je parle arabe, bien sûr, c'est ma langue maternelle. Le français et aussi un peu d'anglais. J'ai commencé à apprendre l'espagnol. Très bien. Widad, je viens d'Algérie. Je parle arabe et un peu français et anglais. Daria, je vous ai perdu, ça va trop vite. Je viens d'Ukraine, je parle russe, ukrainien, français, allemand et anglais. Yossi, je viens de Pologne, je parle polonais, russe, hébreu, anglais, italien, un peu de français, Yossi. Non, 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 ça c'est pas raisonnable. Vous parlez français, pas un peu, et allemand. Jane, bonjour Vincent, ma question, pourquoi Monsieur Macron parle 5 langues? Ah, je vais être une drôle de question. Je ne sais pas bien le russe, le français, l'arabe et le finnois.
Ah, je ne sais pas. Quelle langue? Drôle de question, Jane. C'était une question pour vous. Sapna, je suis trilingue, multilingue. Je peux parler hindi, anglais, français. Très bien. Maria Bethania, je viens du Brésil. Je parle le portugais, le français et un peu d'anglais. Gabriela, je vous ai perdu. Je viens du Brésil. Je parle portugais, anglais et français. Je l'apprends maintenant. C'est bien. Joseph, bonjour Joseph. Comment ça va? Victoria Posse, je viens d'Espagne et j'essaye de parler le français grâce à vous. Ben oui. Ah, et puis l'anglais maintenant. Oui. Victoria, on va faire les deux, le français et l'anglais. Jane, je parle l'anglais. Cosmina Bellou, je viens de Roumanie, je parle le roumain, l'anglais, j'apprends le français et je détiens aussi des notions d'allemand. Très bien. Est-ce que vous connaissez Dilorelei? Hein, ich weiß nicht, weiß, etc. Fiona, je suis Sri Lankaise, j'ai parlé anglais, singhalais et un peu de français. Ensuite, Joseph, je suis Ougandais, je parle anglais, français, Swahili ou Luganda, plus d'autres langues d'Ouganda. Très bien. Remix, je suis venu de Russie parce que je vis ici, je parle russe et un peu d'anglais et du français. Remix Studio, le français aussi. Victoria Jacques, je suis né en Amérique, je parle couramment anglais et un peu créole. Et maintenant, je m'améliore avec mon français. Très bien. Victoria, est-ce que vous connaissez ce groupe français, la Compagnie Créole? Un groupe mythique des années 80 qui faisait danser les gens. Moi, j'aimais beaucoup. Olga Ruiz, je suis de Colombie et je parle un peu d'anglais. Nikita, je viens de Guyane, en Amérique du Sud. Je parle anglais, c'est ma langue maternelle, mais je parle aussi français, un peu d'espagnol et portugais brésilien. Eh oui, la Guyane. Ah ben là, vous n'êtes pas très très loin de la Guyane française, peut-être. Kevin, je viens du Canada, je parle l'allemand et l'anglais, un peu de français et de coréen. Mouna, je suis tunisienne et je parle arabe, anglais et français. Alors, Ishtéyak, je viens d'Inde et je parle cinq langues. Je parle anglais, français, hindi, bengali et assamès. Amy J, bonsoir, je suis né aux Philippines. J'habite à Milan depuis 15 ans. Je parle anglais, italien et un peu de français. Eh bien, merci, merci beaucoup. Mais. Il faut dire qu'effectivement, il y a 134 personnes qui sont en train de regarder. 134. Et je n'ai que 68 likes. Ça n'est pas raisonnable. Vous le savez, je le répète à chaque fois, mon petit plaisir personnel, c'est mon petit plaisir personnel, c'est d'avoir 100 likes. Et ça n'est pas beaucoup. Tout le monde clique et on est parti. Et je serai un homme heureux pour passer un dimanche paisible. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, vous avez la possibilité, puisque souvenez-vous, on a deux cadeaux aujourd'hui, ça c'est le premier. Je vais prendre mon petit papier ici. Vous avez la possibilité de gagner donc un cadeau d'une valeur de 59$. Attention, vous commencerez uniquement quand la musique va démarrer. J'explique pour les personnes qui peut-être sont nouvelles, donc les personnes qui ont déjà gagné quelque chose ne peuvent pas participer. Nous voulons que tout le monde puisse gagner. C'est le minimum. Alors, je vais noter sur ce petit papier un nombre de 1 à 20 avec mon stylo magique. Et puis, bien sûr, vous devrez essayer de trouver ce nombre. S'il vous plaît,
une seule proposition par personne. Je ne pourrais pas accepter les propositions des gens qui en font plusieurs. Donc une seule, c'est quand même un minimum. Et puis, eh bien, la personne qui va gagner un accès à ma plateforme frenchforest.net, qui est une plateforme sur laquelle il y a uniquement des fichiers audio, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je vais tranquillement écrire mon nombre, donnez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, je l'ai écrit. Alors, attention, quand vous allez entendre la musique, vous pourrez me faire, eh bien, votre proposition. Une seule proposition par personne, s'il vous plaît. Allez-y. Je dois dire bravo à qui? À qui? Eh bien, c'est à Noura Alaoui qui nous a proposé deux. Et effectivement, j'avais décidé, eh bien, comme vous le voyez ici, d'avoir un petit nombre. Félicitations, Noura Alaoui. Bravo, bravo. S'il vous plaît, tout le monde va féliciter Noura. Allez, vous êtes la gagnante du jour. Alors Noura, je vous explique tranquillement comment ça va marcher. Vous créez un compte sur la plateforme frenchforest.net. Vous m'envoyez un petit message en m'indiquant eh bien, tout simplement votre nom sur la plateforme à l'adresse de winner@fluent2plus.com et je vous donnerai l'accès à tous les cours. Donc c'est uniquement de l'audio, mais ça vous permettra de travailler sur la prononciation et beaucoup de choses. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de fichiers audio sur la plateforme. Donc, je pense que vous aurez suffisamment de choses pour vous amuser. Voilà. Félicitations encore. Ça me fait très, très plaisir.
Donc, comme vous le savez, on essaye de voir une photo chaque jour. C'est une photo qui est probablement une photo d'actualité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Ça fait un petit peu peur, mais bon. Prenez une minute pour m'écrire une phrase pour me décrire la photo. Merci. Alors, Hillary nous rejoint. Bonjour Hillary, vous arrivez juste à temps pour faire la description de cette photo, s'il vous plaît. Alors, pardon, j'ai arrêté brutalement. Je voyais que M&M19 avait déjà écrit un déguisement de Halloween. Sundar nous dit « Je vois la fantôme !» Alors, c'est un fantôme, normalement. Hein. C'est masculin, même si c'est une femme. Puisque... oui. Dessarlika, c'est une photo géniale pour Halloween. Spiritual Weapons, je n'aime pas la photo d'une sorcière. Lisbeth, la tradition du Mexique pour le monde entier. Tenzin qui nous dit, est-ce que c'est Marcon ou Macron? Tenzin, il faut l'écrire correctement. Si vous voulez parler de Monsieur Macron, il faut l'écrire correctement, c'est pas sérieux. Ankan, c'est une belle femme qui fête Halloween. Waouh, ce que je vois, moi, c'est une sorcière qui est habillée comme ça pour un rituel de quelque sorte dédié au dieu corbeau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle ressemble à un corbeau. Waouh, c'est vrai. Hein. Joseph, c'est une photo de film d'horreur. Peut-être Annabelle. Ok, une belle chanteuse habillée en noir. Lisbeth, elle s'appelle la Katrina au Mexique. Très bien. Béatrice Christiana, une vraie femme ou un fantôme ? On ne sait jamais la nuit de Halloween. Et en général, il faut faire un rire après. Ah, 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 quelque chose comme ça. Oui, Dad, elle est déguisée en sorcière. Bickert, cette photo est un peu horrible et sombre. Elle est peut-être une actrice sur une plateforme de cinéma. Ou un plateau de cinéma, probablement, que vous vouliez dire. Oui. Fiona Adams, elle est prête pour Halloween. Hillary, une sorcière se prépare, hein, mettez la forme réfléchie, hein, se prépare pour Halloween. Luciana, je pense que nous avons déjà assez de personnages laids en réalité. C'est... Ah ben ça oui, mais bon. C'est comme ça, Sapna. Horrible image, aujourd'hui c'est Halloween, mais il ne veut pas s'habiller comme ça. C'est Halloween, olé olé, d'accord. Ice Cubes, c'est l'image qui représente Halloween. Annabelle Nouvelle, je suis tellement dans le noir que j'ai besoin de lumière. Mais il faut mettre des lumières parce que pour les yeux, moi c'est comme ça que je me suis abîmé les yeux. Yossi, je me souviens du film fantastique Belphégor, eh oui, c'était dans le Louvre, eh oui, le fantôme du Louvre avec Juliette Gréco, magnifique film Belphégor. Remix Studio, c'est une photo de femme en costume pour Halloween. MJ, je vois une femme très très triste, c'est vrai qu'elle ne sourit pas, hein. elle n'est pas très joyeuse. Ça n'est pas un fantôme joyeux. Mouna, la femme virtuelle. Maria Bethania, c'est intéressant pour les autres, mais ce ne l'est pas pour moi. Victoria Posse, elle est habillée pour célébrer la nuit d'Halloween, mais elle est restée seule.
Elle célèbre toute seule Halloween. Olga Ruiz, je pense qu'elle est mortelle. Munda, c'est une femme virtuelle. Cosmina Bellou, il n'est pas encore certain qu'elle restera dans le monde des ténèbres parce qu'elle aspire à la lumière. C'est vrai, nous avons encore de l'espoir. C'est vrai qu'elle s'oriente vers la lumière. Et ça, c'est mystérieux quand même, hein. Nouha, une photo de Halloween. J'aime beaucoup Halloween et elle est bien maquillée. Dolma, une dame qui a joué pour Halloween. Très bien. Daria qui nous dit qu'effectivement, il faut liker, s'il vous plaît. 100 likes, ça n'est pas beaucoup. Pour Halloween, voilà. Allez, soyez gentils avec moi. Paolo qui nous dit, c'est une femme qui a joué à Fall Guys pendant toute la nuit. Oh, c'est pas possible de jouer à Fall Guys pendant toutes les nuits, c'est pas possible. Allez, on y va. Pour l'instant, 80 likes. Il en reste encore 20. Tout est possible. Tout est possible. Faites-moi plaisir, soyez gentils. Mais nous commençons avec... Eh ben là, c'est le verbe du jour. Bien sûr, vous le savez. C'est de la conjugaison. À chaque fois, on essaye de conjuguer un verbe. Je voulais trouver un verbe un petit peu complexe. Plus ou moins, mais très utile. C'est le verbe... devoir. Alors, comme vous le savez peut-être, le verbe devoir, on l'utilise en général à toutes les personnes à la place du verbe falloir qui, lui, est utilisé uniquement à la troisième personne du singulier parce que falloir, c'est un verbe impersonnel. Devoir n'est pas impersonnel, donc nous allons uniquement le conjuguer eh bien, à la forme je, comme d'habitude. Nous allons couvrir les trois modes indicatifs, conditionnel et subjonctif avec tous les temps que normalement vous devez connaître pour avoir un niveau B2. Donc avoir un niveau B2, ça veut dire maîtriser tous ces temps-là. Mohamed Reza qui dit ça veut dire quoi avoir le seum ? Eh hey, Mohamed Reza, on a fait un cours sur le seum, on a fait un cours là-dessus, je vous invite à le regarder parce qu'on là, on a parlé de toutes ces choses-là. Au dernier cours, on a même parlé du verlan qui était assez intéressant. Alors voilà, maintenant on attaque avec, eh bien, comme d'habitude, le présent de l'indicatif, s'il vous plaît, je, pour le verbe, oups, c'est pas le verbe construire, c'est le verbe devoir, s'il vous plaît. Je vais faire la modification, devoir, indicatif présent, première personne. Alors, j'ai finalement commencé à corriger mes petites erreurs, comme d'habitude. Et donc, ici, la première personne, eh bien, c'est tout simplement « je dois », D-O-I-S. En général, pour les trois premières personnes, comme vous me l'avez écrit, c'est très très gentil, hein. « Je dois », D-O-I-S, « Tu dois », D-O-I-S, « Il doit », D-O-I-T.
écouter. Donc c'est comme ça qu'on le fait. En tout cas, pour la première personne de l'indicatif présent, maintenant on attaque avec le futur simple. S'il vous plaît, futur simple, première personne, eh bien, du verbe devoir. Alors effectivement, là la difficulté, eh bien c'est que le radical, encore une fois, va changer, c'est-à-dire que le radical va se transformer en d'œuvre, D-E-V-R, et ensuite vous allez mettre la terminaison A-I, je devrais. Ice Cube très généreusement nous a donné tu et il, elle, je devrais, tu devras, A-S, il, elle devra. Ah, c'est très très bien. On continue avec le passé composé, premier temps composé de notre liste. Allez-y, s'il vous plaît. Première personne, passé composé du verbe devoir. Alors, effectivement, passé composé, ça veut dire que nous devons, eh bien, tout simplement utiliser un auxiliaire. Ici, l'auxiliaire, comme pour la majorité des verbes, c'est l'auxiliaire « avoir ». Nous allons mettre « avoir » au présent « j'ai » et ensuite, nous allons mettre le participe passé du verbe « devoir ». Le participe passé du verbe « devoir », eh bien, c'est « du ». D, U, et s'il vous plaît, n'oubliez pas l'accent circonflexe, j'ai dû. On ne le prononce pas, mais on doit vraiment, vraiment l'écrire, sinon, eh bien, on pensera à autre chose. Allez, imparfait, s'il vous plaît, l'imparfait du verbe devoir, première personne, allez-y. Alors ici, notre radical, en fait, c'est D-E-V, d'œuvre. Et après ça, vous allez rajouter eh bien, les terminaisons. La terminaison pour « je », c'est A-I-S, « je devais ».« Je devais »,« tu devais »,« il, elle devait »,« nous devions »,« vous deviez »,« il, elle devait ». Allez, nous continuons avec eh bien, le deuxième temps composé, c'est le « plus que parfait ». Toujours la première personne, allez-y. Thank you.
Alors là, je vois que vous répondez assez rapidement, donc logiquement, pas de problème. Nous sommes d'accord que nous utilisons de toute façon avoir. Avoir doit être à l'imparfait, j'avais, et ensuite vous mettez, eh bien, le participe passé DU. Encore une fois, si vous avez le circonflexe sur votre clavier, ce serait formidable. On continue avec le troisième temps. C'est le troisième temps, pardon. Le troisième temps composé, c'est le futur antérieur. On y va. Alors, nous sommes d'accord que comme c'est un temps composé, nous allons utiliser encore une fois avoir. Avoir doit être au futur simple. J'aurai. Et ensuite, nous mettons encore une fois notre participe passé. On va finir avec le passé simple du verbe. On y va devoir passé simple, première personne. Alors, le passé simple, nous sommes d'accord, il n'est pas vraiment utile, à chaque fois je le répète, c'est important de pouvoir l'identifier et c'est je dus. Vous n'allez jamais l'utiliser, mais vous allez probablement le rencontrer parfois si vous lisez certaines choses. Donc, je dus, ce qui est important, c'est de pouvoir faire la connexion entre je dus et l'infinitif devoir et comprendre qu'est-ce que c'est le passé simple. Allez, on continue et on attaque le conditionnel. Conditionnel présent, première forme, on y va! Alors, je remarque encore une fois que Cosmina Bellou est très en forme puisque c'est quasiment systématiquement la première qui nous donne les bonnes formes. Je devrais, pardon, ici c'est la même chose finalement, notre radical, c'est le même radical que pour le futur simple, D-E-V-R, d'œuvre. Je perds ma voix et ensuite vous mettez eh bien, tout simplement votre terminaison. AIS, je devrais. Allez, on continue avec un temps composé, c'est le quatrième, c'est le conditionnel passé, s'il vous plaît, la première personne. Alors ici, toujours la même chose, la même dynamique, c'est-à-dire
avoir que nous allons mettre eh bien, au conditionnel présent, j'aurais et notre participe passé du j'aurais dû. Allez, les deux derniers, c'est le subjonctif présent pour commencer, première personne. Alors, effectivement, encore une fois, Cosmina Bellou, première position. Là, elle est très, très en forme. On doit la saluer. Ici, c'est que je doive. D-O-I-V-E. Attention, pas de S. Noura, vous avez mis un S, mais le S, on va le garder pour tu. D'accord ? Que je doive, E. Que tu doives, S. Qu'ils, elles doivent, d'accord, ici vraiment, vous n'avez pas de S. Allez, et on termine, eh bien, tout simplement, avec un temps composé, c'est le dernier temps composé, c'est le subjonctif passé, allez-y, toujours la première personne, merci. Alors, nous sommes d'accord, effectivement, qu'encore une fois, alors, Spiritual Lovers demande pourquoi que, mais parce qu'en général, quand on apprend la conjugaison du subjonctif présent ou du subjonctif passé, on va les apprendre avec que, parce que, eh bien, les verbes qui vont appeler le subjonctif vont utiliser que. Hein, je ne pense pas que. Je ne veux pas que, je souhaite que, etc., etc. Donc, en général, on apprend ça avec que. C'est la façon qu'en général, les Français ont d'apprendre le subjonctif. Ici, c'est un temps composé, donc le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, sera bien sûr au subjonctif présent, et ensuite vous allez mettre votre participe passé du que j'ai dû. Ça sera eh bien votre forme. Bravo et merci encore. Mais encore une fois, faites-moi plaisir, soyez gentils avec moi. Si vous n'avez pas cliqué sur le like, cliquez, nous sommes près des 100. Vous savez que c'est mon plaisir. Pour l'instant, nous avons toujours réussi à avoir 100 likes. C'est la seule chose que je vous demande en contrepartie de ce cours qui est juste pour vous. Mais s'il vous plaît, cliquez sur le like. Merci beaucoup. J'espère qu'on va y arriver, parce que sinon je serais très triste, et ça vous le savez, et j'ai pas envie d'être triste, hein. C'est pas naturel d'avoir envie d'être triste dans la vie. Allez, nous continuons avec l'actualité du jour. Alors l'actualité du jour, j'essaye de regarder les titres de l'actualité dans la presse française, et donc j'ai trouvé pour aujourd'hui, eh bien cette chose assez triste et assez terrible, qui parle de Sean Connery. Et voilà, Sean Connery, c'était cet acteur incroyable
que l'on réduit un peu uniquement à James Bond. Mais voilà, Sean Connery, acteur de James Bond, est décédé à l'âge de 90 ans aujourd'hui. Alors ma question c'est simple, est-ce que vous le connaissiez? Donc le connaissiez-vous et que représentait-il pour vous? Prenez une petite minute s'il vous plaît pour me répondre. Alors, je regarde, Nouha nous dit « Non, je ne le connais pas, mais je connais seulement les films de James Bond et j'adore ces films. Joseph ne connaît pas cet acteur, vous êtes trop jeunes, tous !» Mouna, je ne le connais malheureusement pas. Hilary qui dit « Je suis désolé, c'était un bon acteur. » Olga Ruiz, pour moi cet acteur est très bon. Sapna, non, je n'ai jamais regardé les films James Bond, mais repose en paix. Azad, même moi je ne le connais pas. Omar, Sean Connery, le James Bond de toujours, l'original. Je suis d'accord avec vous Omar, personne n'a remplacé Sean Connery comme James Bond, personne. Yossi, je ne le connais pas, je connais seulement James Bond qui s'appelle Roger Moore. Ah oui, il est aussi décédé, c'est celui qui est arrivé après. Eka, oui bien sûr, James Bond a été mon héros, mais j'étais adolescent. Maria Bethania, je suis désolé, tous les meilleurs souvenirs dans les films de James Bond sont avec lui. Ben oui, un bel homme, oh, très charismatique. Lisbeth, oui, je le connais, c'était un bon acteur de films d'action. Nikita, James Bond, je crois qu'il est le meilleur James Bond, il jouait bien ce rôle. Tout à fait d'accord, Nikita, c'était le meilleur des James Bond. Moi, je pense. Daria, c'est un brillant acteur. Il a joué dans de nombreux films. Je ne savais pas qu'il était décédé. Mes plus sincères condoléances à sa famille. Oui. Non, c'est juste aujourd'hui. Hein, c'était dans les actualités. Spiritual Lovers, Spiritual Weapons. Désolé. Bickert, oui, je le connais. À mon avis, l'acteur était une personne très importante dans le monde. Johanna qui nous dit « Je ne le connais pas, mais j'ai entendu ce film que ce film est très bon, les James Bond, oui. » Luciana, quel dommage. Oui, je pense qu'il est le premier. C'était peut-être le plus emblématique, c'est vrai. Cosmina Bellou, oui, je le connaissais, mais en ce moment, je ne me rappelle plus des films avec lui. Tenzin qui nous dit « Je pense que c'est un bon acteur, mais j'ai entendu dans les nouvelles qu'il est mort aujourd'hui. » Ben oui, oui, oui. Repose en paix. Victoria Posse, si je le connais, j'ai vu ses films de James Bond et Le Nom de la Rose. Oh, Victoria Posse, incroyable, incroyable ce film. Le Nom de la Rose.
choses et le livre, bien sûr, mais c'était formidable. Je suis triste qu'il est parti. Il était formidable, ce film. Film des années 80, Le nom de la rose, magnifique. Save the best for the last. Oui, je le connais, un acteur professionnel. J'adore ses films, en particulier le film The First Night. Je ne connais pas Save the best, je vais chercher. Desarlica, je suis très jeune pour le connaître. Ah, oh, la jeunesse! Daria, encore 6 likes, oui, c'est possible. MJ, en vérité, je ne connais pas l'acteur, mais j'aime bien les derniers films de James Bond. En effet, je suis triste parce que nous ne pouvons pas regarder la nouvelle épisode au cinéma pour la situation. Oh, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mercy Grace, oui, je le connais, il représentait les souvenirs de mon enfance. Oh, Goldfinger, ah oui, je m'en souviens, Goldfinger, son âme repose en paix. Oui, Remix Studio, je suis très jeune pour connaître cet acteur. Mouna, mais maintenant, j'ai une idée, c'est un acteur britannique. Alors, vous le savez, nous essayons ensemble de travailler sur votre prononciation. Parce que là, c'est difficile, c'est moi qui parle et vous écoutez. Mais, regardez ensemble. Donc, vous pouvez m'envoyer, effectivement, vos fichiers audio. Je vous expliquerai juste après comment ça fonctionne. La première phrase que je vous avais demandé de m'envoyer, eh bien, c'était une phrase assez simple. C'était « Je... » Non, ça a disparu. C'est incroyable. Est-ce que c'est là ou est-ce que ça n'est pas là? Non, ça a disparu. Il y a eu un problème technique. Alors là, vous allez être très triste. Eh bien, écoutez, cette rubrique, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir la faire puisque les fichiers audio, apparemment, n'ont pas voulu faire le voyage entre le premier et le deuxième ordinateur. Nous allons donc faire, eh bien, youpi youpi, la citation du jour. Et la citation du jour, c'est une citation de Coco Chanel, parce qu'ici on aime bien Coco Chanel, et elle a dit des choses qui étaient assez intéressantes. Une femme très forte, une femme intègre, et qui nous dit « Si vous êtes triste, ajoutez plus de rouge à lèvres et attaquez. » Si vous êtes triste, ajoutez plus de rouge à lèvres et attaquez. Que pensez-vous de cette citation? Une petite minute, s'il vous plaît. Alors, regardons Oka qui dit « Ha ha ha, mais comment font les hommes ?» Vous savez, Oka, je pense que le point de vue de Coco Chanel, c'est que les hommes se sont conseillés mutuellement pendant des siècles et des siècles, et je crois qu'elle a considéré que maintenant, je conseille les femmes et les hommes se débrouillent, probablement. Luciana qui dit « Waouh, c'est un bon conseil !» Spiritual qui nous dit « Je suis d'accord, j'attaque avec force !»
Emine qui nous dit je suis d'accord avec Coco Chanel, Fatima, Noëlla, je ne sais pas ce que ça veut dire. Spiritual, désolé pour les hommes. Ah ben c'est chacun son tour, hein. C'est pas toujours les mêmes. Nouha, oui, si vous êtes déçu, ajoutez du maquillage, faites de l'ambiance et sortez dans une belle soirée. Annabelle qui nous dit porte des talons rouges aussi. C'est possible. Ah, c'est pour le... Donc, les lèvres et les pieds, c'est, ça fait une sorte d'ensemble, probablement. Omar, cette citation est comme une astuce de femme. Mercy qui dit « génial ». Yossi qui dit « je suis d'accord avec cette phrase, c'est pourquoi Coco Chanel réussit ». Victoria Posse, c'est vrai. C'est pourquoi chaque jour je porte du rouge à lèvres, donc je ne suis jamais triste. Peut-être que c'est la technique finalement. Hein. Fatima, trop forte. Ah d'accord. Victoria Jacques, oui je suis d'accord. Je pense qu'elle dit essentiellement de vous mettre ensemble et vous vous sentirez mieux. Ça aide parfois. Joseph, si vous n'avez pas la flemme de faire quelque chose, encouragez-vous et attaquez-le. Remix Studio, je suis un homme, je ne ferai pas comme ça. Ah oui, mais il faut pouvoir se transposer, Remix Studio. Ça n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas analyser cette citation. Fiona, désolé pour les hommes. Maria Bethania, je pense que ça signifie pour tous lever la tête et aller en avant. Daria, mon maquillage et mon armure. Mais depuis le 16 mars, je ne porte plus autant de maquillage qu'avant. C'est pourquoi l'industrie cosmétique a moins de bénéfices. Je suis désolé. Daria, vous serez la responsable de la chute de l'industrie de la cosmétique française. Merci Daria. Fatima, trop mimi. D'accord. Je ne sais pas ce qu'elle dit, Fatima. Fatima fait une sorte de dialogue ensemble, non? Je ne sais pas. Bourneville Lover, si je n'étais pas paresseuse, ce serait vrai pour moi. Cosmina Bellou, c'est une pensée du jour pour les femmes fortes. On pourrait reformuler que la main qui caresse le berceau est la main qui dirige le monde. Oh, ben là, on va méditer là-dessus. Alors, c'est la dictée du jour. Et la dictée du jour, eh bien, on va, comme d'habitude, lire quatre phrases. Je vais les lire tranquillement à deux reprises et vous allez, eh bien, les écrire. On commence avec la première. Prenons notre temps avant de... répondre. Prenons notre temps avant de répondre. Alors, je vois que vous êtes très, très, très dynamique et nous pouvons regarder ensemble eh bien, cette phrase. Regardez la phrase. Donc ici, c'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre qui est mais finalement à l'impératif, à la forme nous. Donc, on ne met pas, vous le savez, le pronom personnel. On met juste le verbe prenons, P-R-E-N-O-N-S. Ensuite, eh bien, on a le mot
temps avec le possessif notre, avant, avant, de, souvenez-vous que ici c'est une préposition, donc c'est vraiment de, et puis répondre, idéalement répondre avec un accent aigu, R-E, accent aigu, P-O-N, D-R-E. Globalement, vous avez bien écrit ça, faites attention pour le pronom, hein, puisque effectivement ici c'est un impératif, mais donc tout va bien pour le moment. Regardons, si vous voulez, la deuxième phrase. Deuxième phrase, comme d'habitude, je vais la lire deux fois. Elle n'y avait jamais pensé avant. Elle n'y avait jamais pensé avant. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez et regardez, on va cliquer comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Faites attention, apparemment une erreur qui est assez classique que vous faites, ici ce serait pour le « avait ». Faites attention parce que « avait », vous allez en fait le mettre à la troisième personne du singulier, « elle ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écrivez « A-I-T, d'accord? Faites attention, pas A-I-S, parce que A-I-S, c'est pour « je » et pour « tu hein. ». Ici, c'est vraiment troisième personne du singulier A-I-T. Elle n'y avait jamais pensé. Pensé, donc là, pas de problème. Globalement, vous avez bien écrit, c'est le participe passé. On ne marque pas le féminin. Souvenez-vous, quand on va conjuguer avec avoir, on ne va pas marquer le féminin en fonction du sujet. D'accord? Donc, pensez et. Et puis, vous finissez avec avant, A-V-A-N-T. Elle n'y avait jamais pensé avant. Allez, on continue, si vous voulez bien, avec, eh bien, tout simplement la troisième phrase. Je vais la lire deux fois, comme d'habitude. On aurait dû lui en parler pour éviter ce drame. On aurait dû lui en parler pour éviter ce drame. Alors, à la belle nouvelle, un bon café, des biscuits aux pipites de chocolat.
Pour le 4 heures, vous êtes très apprécié. Oh, ben c'est très très gentil. Bonne nuit à vous, Annabelle Nouvelle, et merci pour ce magnifique cadeau. Bonne nuit si vous allez dormir. Alors, regardons. Mais je vais faire attention. Vous savez, le problème avec les biscuits, c'est que avec le confinement, on ne fait plus de sport. Et comme on ne fait plus de sport, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend des kilos. Vous le savez probablement, donc je vais faire attention avec les pépites de chocolat. Alors regardons ensemble le regardez la phrase, je dois cliquer. Donc la phrase que nous cherchions ici, eh bien c'était une phrase dans laquelle j'avais envie de mettre conditionnel passé. Aurait dû. Donc c'est le verbe devoir. Le verbe devoir est au conditionnel passé. Donc on utilise avoir au conditionnel présent, aurait, et ensuite le participe passé dû. On aurait dû lui en parler. Donc les deux pronoms sont bien avant le verbe à l'infinitif. Et ensuite, pour éviter, infinitif, ce drame. Faites attention, drame en français, on va l'écrire D-R-A-M-E. D'accord ? Drame, D-R-A-M-E. Voilà, allez, on continue joyeusement avec la dernière phrase. La dernière phrase, la voici. Sache que tu as la responsabilité de cet enfant. Sache que tu as la responsabilité de cet enfant. Allez-y. Alors, je regarde vos phrases et effectivement, pour le moment, tout est bien. Alors, faites attention ici parce que, en fait, j'avais envie, avec la première et la dernière, finaliser avec quelque chose qu'on ne voit pas assez, probablement, c'est l'impératif. Hein. Ici, sache, c'est un impératif et donc c'est la première personne de l'impératif, mais finalement, c'est pour tu. Hein? Donc ici, c'est sache, S-A-C-H-E. Et puis ensuite, que tu as, ça logiquement, ça n'est pas un problème. Responsabilité, on l'écrit idéalement avec un magnifique accent aigu à la fin, sur le dernier E. Enfant, c'est masculin, ça veut dire que votre démonstratif 7, ça doit être la deuxième forme du masculin, C-E-T. Hein, souvenez-vous, la forme basique, c'est ce, hein, ce chien. Mais quand vous avez des mots qui vont commencer avec le son d'une voyelle et qui sont masculins, vous allez utiliser les démonstratifs ou le deuxième démonstratif C-E-T. Sept, C-E-T. Sept enfants. Sache que tu as la responsabilité de cet
enfants. Mais écoutez, merci beaucoup, c'était formidable. Ah, aujourd'hui, c'est un petit peu artistique. Hein. C'est le dernier jour. Je me permets de naviguer comme ça. Allez, le paysage du jour. Le paysage du jour. Nous partons en Lozère et nous partons dans un endroit qui est vraiment formidable. Les gorges du Tarn. J'ai un doute. Je ne sais pas si on a encore vu cette photo parce que il y a des problèmes avec mes fichiers. Regardons les gorges du Tarn. Une petite phrase pour me commenter ce que vous voyez. Alors, Victoria Jacques est la première à nous dire une belle photo d'une vieille ville à la campagne. Très bien écrit, Victoria Jacques, Ice Cubes. Les gorges semblent magnifiques et j'aimerais bien visiter cet endroit un jour. C'est vraiment, vraiment sympathique. Ice Cubes, si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est vraiment beau. Et en général, le concept des gorges est assez sympathique quand même. Victoria Possé, ce site est précieux et je l'ai vu dans un programme français, la carte au trésor. Eh ben oui. EK, la nature est fabuleuse et doit être simple comme cette rivière devant la montagne. Omar, c'est un joli endroit pour rester en vacances. Bickert, je vois une belle vue comme le paradis masculin. Partout des traits verts foncés, il y a un petit village masculin à côté de la rivière. Daria qui nous dit « c'est un paysage étonnant qui me rend sans voix ». Spiritual qui dit « je vois un fleuve ». Ouais, c'est plutôt une rivière, Spiritual. En général, Spiritual, une rivière et un fleuve. La différence, c'est que un fleuve va automatiquement dans la mer ou dans l'océan. D'accord ? Donc ici, c'est plus petit. Automatiquement, on va considérer que c'est une rivière. Luciana, je vois une rivière à côté d'un grand mur et des maisons, des arbres et des rochers. Hilary, c'est un beau paysage masculin de la rivière, la maison et la montagne. Olga, une très belle photo de château. Oui, ce sont des petites maisons. Joseph, je vois une petite ville dans la montagne, les arbres partout, il y a un fleuve et une petite maison sur le bord hein, du fleuve. Souvenez-vous, le quai, c'est plutôt pour un port ou c'est plutôt pour une gare, hein, Joseph, le quai. Ensuite, MJ, j'aime bien la nature, je vois un paysage très beau. Oui, pas de X, MJ, beau
singulier. Sarah, quel bel endroit. Endroit, c'est masculin, donc quel, Q-U-E-L, bel, B-E-L, les forêts, l'ancienne, des anciennes pierres et des bâtiments. Lisbeth, un lieu très beau pour aller avec la famille, oui. Remix Studio, je vois une nature magnifique. Souvenez-vous, magnifique, Remix Studio, mag, hein, avec un G, magnifique, M-A-G-N. Et la ville sur un rocher. Yossi, c'est un petit village masculin. Au bord d'un fleuve, près des montagnes, l'endroit est très pittoresque. Dessarlica, je vois un paysage. Attention, paysage, P-A-Y-S-A-G-E. Magnifique avec des montagnes et une rivière. Maria Bethania, quel magnifique paysage, sans mots pour décrire. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. Franchement, cette région, c'est une région très, très sympathique à découvrir. Mouna, c'est une image très magnifique, ou magnifique tout simplement. Bourneville Lover, je vois une forêt, une rivière, des bateaux et des gens pour un jour très beau. Oui. Spiritual Weapon, ah ben d'accord, très bien, je vous en prie, Spiritual. Ensuite, Béatrice Christiana, je vois tant de nuages verts, un petit château, quelque chose comme ça, des personnes ayant une bonne journée au milieu de la nature, entourées par les arbres, sur des montagnes et à côté de la rivière, oui. Cosmina Bellou, c'est un paysage magnifique et vous voyez dans le premier bâtiment au deuxième étage à travers la fenêtre le concierge couvert de papier mais heureux parce que les clients sont satisfaits. Vous voyez le concierge, félicitations. Vous avez une bonne vue, Sapna, une vue de paysage et de place touristique, la rivière verte et les maisons et des petites maisons. Merci beaucoup. Alors, on y va avec le film du jour. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de film. Le film du jour, alors même si c'est difficile d'aller voir des films, même si c'est difficile, il faut soutenir le cinéma en général, mais bien sûr pour moi, eh ben c'est le cinéma français. Le film s'appelle « Adieu les cons ». Adieu les cons, comme d'habitude, nous allons découvrir ce film en trois point. La première chose, eh bien, je vais vous lire et vous devez trouver les trois choses qui manquent. Suzanne Trappet apprend à l'âge de 43 ans qu'elle est sérieusement malade. Suze Trappet apprend à l'âge de 43 ans qu'elle est sérieusement malade. Écrivez les mots qui manquent.
Alors, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'est le verbe apprendre. Le verbe apprendre que nous conjuguons bien sûr au présent à la troisième personne du singulier. A-P-P-R-E-N-D. Apprend. Ensuite, c'était l'âge de cette personne et c'est 43. Faites attention, 43, 4 et 3. 43. 43 ans. Et puis la dernière chose, c'est un adverbe et c'est sérieusement. Souvenez-vous, c'est un adverbe de manière. Donc, nous prenons l'adjectif basique. L'adjectif masculin sérieux, I-E-U-X. Féminin sérieuse, I-E-U-S-E. Et nous ajoutons ment, M-E-N-T. Sérieusement. Sérieusement, c'est notre adverbe avec un accent aigu, idéalement sur le premier E. Allez, on continue avec la deuxième chose, et bien concernant ce film. Elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Allez-y. Alors, nous étions à la recherche de trois choses. Première chose, eh bien, c'était forcé. Forcé, on va le mettre ici au féminin. Donc, ça veut dire que vous devez rajouter votre E. Idéalement, vous devriez mettre un accent aigu sur le premier. Elle a été forcée. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un passif. C'est un passif au passé composé. Imaginez, hein, le verbe forcer que vous allez mettre au passif, au présent, elle est forcée. Le verbe être, hein, c'est la technique pour mettre au passif. Je suis forcé, tu es forcé, elle est forcée. Ensuite, nous allons transposer au passé composé. C'est-à-dire que le verbe être doit être mis au passé composé. Au passé composé, le verbe être, c'est j'ai été. Tu as été. Elle a été. Et ensuite, vous mettez votre participe passé et vous allez marquer le féminin ou le pluriel ou le féminin pluriel. Forcé, féminin, E accent aigu, E. Ensuite, c'est un verbe infinitif, abandonner. Vous avez bien écrit abandonner. Attention, c'est A-B-A N-D-O-N-N, on met deux N-E-R. Et puis la dernière chose, eh bien c'était l'âge. L'âge de cette personne, et c'était 15. 15, c'est 1 et 5. 15. Allez, la dernière chose concernant ce film, qui s'appelle Adieu les cons, d'un réalisateur qui est vraiment, vraiment très, très, très bon et très original, qui est Albert Dupontel. Troisième chose, sa quête administrative va lui faire croiser JB et Monsieur Blin. Il se lance dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.
sa quête administrative va lui faire croiser JB et Monsieur Blin. Il se lance dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Alors, regardons ensemble. La première chose, eh bien, c'est un adjectif. L'adjectif, à la base, c'est administratif. F-f-i-f. Ici, on doit le mettre au féminin puisque cet adjectif est lié au mot quête. Quête est féminin, donc votre adjectif doit être au féminin. Administrative. V-i-v-e. Ensuite, c'est le verbe se lancer. Se lancer, alors ici, vous voyez clairement que c'est le pluriel. Troisième personne du pluriel, il, I-L-S. Et donc, votre verbe doit être à la troisième personne du pluriel, L-A-N-C-E-N-T. D'accord ? Verbe régulier, troisième personne du pluriel, ENT. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est improbable. Hein, donc ici, c'est un adjectif. Improbable, vous l'écrivez avec un M. I-M-P-R-O-B-A-B-L-E. Voilà, regardons ensemble encore une fois les trois choses. S'il vous plaît, lecture avec moi. Lisez à voix haute, ce serait très gentil. Première chose, Suze Trappet apprend à l'âge de 43 ans qu'elle est sérieusement malade. Deuxième chose, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Troisième chose, sa quête administrative va lui faire croiser JB et Monsieur Blin. Il se lance dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Alors, attention, c'est la dernière chose avant de nous quitter. Vous savez que je vais vous donner la possibilité, eh bien, tout simplement, de gagner un cadeau d'une valeur de 180 $. Bah, écoutez, l'idée, c'est simple. Hein. S'il vous plaît, vous allez attendre, bien sûr, que la musique démarre pour pouvoir me proposer votre nombre. Les personnes qui ont déjà gagné ne peuvent pas participer, mais ça, vous le savez déjà. Donc, c'est clair, si vous avez déjà gagné, c'est pas la peine. Faites une pause. Et puis, pour les personnes qui peut-être arrivent, les choses sont relativement simples. Je vais penser, j'ai noté, ça y est, un nombre de qui se trouve entre 1
et 100. Vous devez essayer de deviner ce nombre et puis la personne qui va trouver ce nombre en premier pourra avoir un accès à la plateforme frenchwithvincent.com. J'espère que tout est clair, j'espère que tout le monde est prêt. Je ne sais pas si vous, vous avez envie de gagner. J'espère vraiment que vous allez gagner. Allez, si vous êtes prêts, eh bien moi je suis prêt. Donc nous pouvons commencer maintenant. S'il vous plaît, proposez-moi eh bien votre chiffre, votre nombre. Eh bien, c'était très, très, très rapide. Tatiana Majorova. Tatiana Majorova, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, eh bien, nous vous félicitons. Bravo, bravo, Tatiana. Vous avez gagné. Hop là! Alors, Tatiana, je vous explique. Vous créez un compte sur frenchwithvincent.com. Vous m'envoyez un message à l'adresse thewinner@fluentoplus.com et je vous donnerai l'accès à tous les cours que vous avez gagnés. Mais Tatiana, il faut étudier maintenant. Il faut étudier et il faut devenir la meilleure en français. Merci beaucoup à tous. En tout cas, c'était vraiment, vraiment très, très sympathique. Ah, je me trompe. Voilà. Ouais. La semaine prochaine, ce sera à peu près la même chose. Je pense que la seule différence... Attendez, pour la semaine prochaine, ça va être ça. Les États-Unis auront changé d'heure, donc nous serons à 10h pour New York, 4h pour Paris et 8h30 pour New Delhi. Merci beaucoup, encore une fois, passez un bon dimanche. Franchement, profitez de la vie. Merci encore et à bientôt. Yksin, parvekkeen kaiteella.
alla maailma ja ne tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka alleen sinut musertaa. Me kyllisen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni.